Vendredi explosif en prière de délivrance, en révélation prophétique, en miracles divers et témoignages glorifiant Dieu dans de nombreuses vies. Bien-aimés dans le Seigneur, sous la supervision du couple prophétique Ferdinand et Shalomé Canet et sous la coordination du pasteur résident, le révérend Augustin Seka, ne manquez sous aucun prétexte de vivre la présence surnaturelle de Dieu à travers une puissante mini-nuit de prière. Bien-aimés, amenez tous vos cas désespérés d'affliction, de maladie, de blocage, de stagnation sous la présence divine ce vendredi 25 octobre de 18h à 22h à Réma Ministre Michon, paroisse de Cotonou au Bénin, et soyez affranchis. Et parce que la famille est l'une des premières institutions établies par Dieu lui-même, ne vous déconnectez pas de sa présence au cours de ce mois d'octobre où vos ennemis doivent devenir vos marchepieds. Venez à nouveau consacrer vos familles à travers un puissant culte qui leur est spécialement dédié le dimanche 27 octobre à partir de 9h précises. Bien-aimés, au cœur de cette convocation divine, prophétie. Écoutez, attachez-vous davantage à Jésus. Ne soyez pas découragés. Vous comprenez? Parce que Dieu m'a montré, je vous ai vu sur le point de découragement. Hein? Je vous ai vu sur le point de découragement. Et Dieu m'a dit de vous dire de ne pas vous décourager. Vous comprenez? Oui. Donc ne vous découragez pas. Oui. Soyez focalisés. Et il me dit de vous dire de vous attacher à lui. Amen. Attachez-vous à Jésus. Hein? Attachez-vous à lui davantage. Oui. Lui va faire quelque chose. Hein? Amen. Donc, ne vous dérangez pas. J'ai entendu quelque chose comme Max. Max. Oui. C'est mon mari. Max, c'est votre mari. Amen. Il s'appelle comment? Comment? Max. Max. C'est Max. Oui. C'est Max. Oh my God. Professeur. Écoutez, Dieu m'a dit, ne vous découragez pas. Hein? Oh yes. Parce qu'il y a des choses qui arrivent qui vous donnent le découragement. Oui. Et Max a des difficultés. Hein? Je l'ai vu dans les difficultés maintenant. Parce qu'il y a un projet. Il y a un projet que Max veut mettre en place. Oui. J'ai vu un projet qu'il veut mettre en place. Mais il y a beaucoup de choses qui limitent ce projet-là. Parce qu'il essaie, il a... Donc, je le vois dans ses idées. Je le vois en train de réfléchir sur comment prendre de l'argent, hein, quelque oui. part, pour mettre dans le projet-là. Hein, maman, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Professeur. Yes. Dieu va agir. Amen. La seule chose que Dieu me dit de vous dire, c'est de rester tranquille. Amen. Et de vous connecter davantage à lui. Soyez focalisés à Dieu. Amen. Il a ouvert les portes. Amen. Parce que le projet que Max a, il y a beaucoup de projets. Yes. Parce que j'ai vu aussi un projet. Il y a un autre projet de construction. Hein? Il y a un projet de construction que Max veut faire. Oui. Et le projet de la construction qu'il veut faire, si ça va se concrétiser. Amen. Hein? Dis amen, maman. Dis amen. Amen. Le Seigneur va faire cela. Amen. Ce que lui, il a comme problème là, c'est la confiance. Hein? Parce que beaucoup de ceux avec lui, c'est lui, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Et ce manque de confiance l'amène à être très... C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment faire. Ça l'embrouille quand même, ça l'embête. Hein? Ça l'embête beaucoup. Que Dieu agisse et que Dieu le restaure. Amen. Hein? Je prie pour vous, Max est touché au nom de Jésus. De délivrance, témoignage. Le Satan m'a fait lier par des maladies depuis des années. Les maladies, des fois c'est la tête, des fois c'est le cœur. Mais depuis que je suis rentrée dans ce temple, c'était un vendredi. Et le pasteur m'a révélé, m'a fait la prophétie, m'a révélé des choses. Yes. Il m'a fait la prière. Quand je suis ressortie et partie à la maison, par la grâce de Dieu, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus rien. Guérison instantanée et un puissant message ancré sur la parole de Dieu. Chère famille, permettez au Saint-Esprit de mettre à l'abri vos enfants,
vos ménages, vos projets, de toutes sortes de pièges et de la malice de l'ennemi en y assistant massivement. N'oubliez pas, le service d'Ouint, gratuitement distribué à chaque membre de vos familles, se fera immanquablement ce dimanche avec à la clé de nombreux témoignages pour la gloire de Dieu. Prima Ministre Mission Paroisse de Cotonou est située sur l'avant qui fait face à l'avant de la pharmacie Sainte-Philomène. Une fois dans l'avant, dirigez-vous dans le côté gauche, près du garage, vous y trouverez une plaque de Rema Ministre Mission, paroisse de Cotonou, Bénin.